Voilà, le couteau est un plat de semelle en damas, un damas torsadé, et le manche sera fabriqué en ivoire de phacochère. Je vais mettre en place une petite anse qui va permettre de passer une dragonne autour du cou avec deux perles en ambre. Une troisième perle en ambre va orner l'étui. Entre la lame et le manche, il va y avoir une garde en maille short, rehaussée d'un petit filet rouge. Alors ici, là, pour la jonction entre la lame et le manche, il va y avoir un rivet mosaïque, plus un petit rivet inox un peu plus petit. Voilà. Donc si je récapitule, un étui en ébène, un manche en phacochère avec un pince mosaïque, une dragonne avec des perles d'ambre, une grosse perle d'ambre incrustée sur l'étui. Alors, est-ce que vous pourriez me montrer l'échantillon de l'ébène? Oui, bien sûr. Oui, j'en ai un. Voilà l'ébène. Alors, ça c'est l'ébène brut et ça c'est l'ébène qui a été poli pour vous montrer. Voilà. C'est un bois très très dur et donc qui va se prêter assez facilement à la fabrication de l'étui. Et concernant le manche, voilà ce que c'est le phacochère. Donc voilà ce que c'est que le phacochère, des bambous. Et une fois coupé, voilà ce que ça va donner. Donc un aspect très lisse, très brillant et très dense aussi parce que c'est un ivoire qui se prête bien à la fabrication des manches de ce type-là. Voilà, Valérie, je vous ai tout dit. Donc, je vais vous laisser continuer de travailler. Merci. Monsieur Abela, merci. Okay.
Moi, si tu veux, mon avis, un petit contre-tranchant, ça serait sympa. Hein? Voilà, ça finirait bien au couteau. Donc, je pense qu'il faudrait faire ça. Dale domani avrà di noi, mai portato un inferno, i miei lamenti da nugello, i santerrai per l'eterno. Issa giornata è stata, un diavolo che sta vicina, che brucia goloso calore. Ça nécessitait à peu près
3 jours, hein, on va dire 3 jours de travail, en heure, on va dire une vingtaine d'heures, allez, hein, parce qu'on s'arrêtait pour manger. Le couteau fini, avec son étui en ébène. L'ébène, c'était un peu plus fastidieux, parce que bon, il faut le sculpter, c'est pas facile, c'est pas du cuir. Et c'est tout fait avec des petites fraiseuses. Le résultat final, il est là. On a fait quelques modifications, notamment des perles. Les perles d'amble ont été remplacées par du facochère parce qu'on a estimé que c'était plus joli et ça rappelait bien le manche, la couleur du manche. Et à la place de la perle en ambre, comme c'est un couteau qui va appartenir à une chasseresse, on a choisi un bouton de vénerie, un vieux bouton de vénerie avec un petit cerf courant. C'est à mon goût du plus bel effet. Voilà. Donc le couteau s'emboîte parfaitement. Là, il ne s'emboîte pas parce que je l'ai mis à l'envers. Mais si je le mets à l'endroit, vous voyez qu'il s'adapte parfaitement. Será do mar, será do mar, será do mar.
Bamboupas, le groupe Tchirnaise, extrait de son tout premier album.